Salut tout le monde, c'est Eldezo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite annonce, donc non pas chaleureuse. C'est franchement la galère, j'ai un gros problème. Donc tout simplement, je me suis acheté un deuxième HDPR parce que le premier avait claqué. Pour ceux qui étaient là depuis quelques temps, déjà ils le savaient. Et ce deuxième HDPR a aussi claqué. C'est génial, ça faisait un mois et 3 semaines que je l'avais. J'ai dépensé 130 euros et au final j'ai dépensé même 260 euros pour les deux. Et bien sûr, les deux de la même marque m'ont lâché, c'est génial. Donc je dis pas que c'est le matériel qui est non plus vraiment nul à chier. C'est un peu moi aussi qui l'ai cherché, hein. Donc ben, tout simplement, je peux plus vous faire de vidéo GTA. Ça tombe pile poil au bon moment quand il y a la mise à jour 1.13 qui sort le jour même. Le jour même, faut pas rigoler non plus. Bref, ça me fait chier. Donc je peux pas vous faire pendant quelques semaines de vidéos par rapport à ça parce que j'ai pas d'argent pour en racheter un. Tout simplement, il va falloir que je l'envoie à l'entreprise pour me le faire changer. Je sais même pas si je pourrais. En plus, en anglais, il va me falloir un support parce que je suis pas très fort en anglais. Donc je vais devoir demander à un pote, il va falloir que je fasse plein de trucs et je pense que je n'aurai pas, enfin j'aurai pas mon nouvel HDP vert avant 3 semaines, 1 mois. Ce qui est franchement très long. Donc pour GTA, je ne pense franchement pas pouvoir vous faire de vidéo en ce moment. Je pourrais encore vous aider si vous m'avez sur ma page Facebook et que vous m'envoyez des petits messages privés. Je pourrais essayer de vous aider par rapport à des glitches si vous y arrivez pas ou quoi que ce soit, que vous avez vu une vidéo sur internet. Je pourrais aller voir cette vidéo et vous expliquer le glitch si vous y arrivez pas. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de m'aider à trouver des sujets pour des vidéos. Donc je vais vous dire tout ce dont je enfin tout ce que je peux faire comme vidéo en ce moment à cause de mes problèmes. Et j'aimerais que vous me donniez des idées pour par rapport à ça. Parce que au final, je peux pas vraiment faire les sujets principaux que je faisais sur ma chaîne. Donc, pour ce que je peux faire, bah déjà j'ai la Play 4, du coup je peux enregistrer avec la Play 4 des gameplays de 15 minutes. Donc je pourrais aussi faire des montages pour faire des vidéos beaucoup plus longues. Donc ce que je vous propose, c'est que je puisse faire soit des trucs sur PS4, soit sur PC. Donc sur PS4, qu'est-ce que j'ai? J'ai Killzone, Shadowfall et Ghost. Après aussi, je peux très bien télécharger des démos de jeux qui sont gratuites ou même des bêtas. Donc je peux vous présenter des jeux sur PlayStation 4. Après sinon, sur PC, j'avais aussi l'idée de vous faire enfin une playlist rétro gaming. Donc j'avais plusieurs jeux en tête et tout, mais le problème c'est qu'en fait, je suis sur Windows 7 et les jeux rétro, enfin les vieux jeux ne marche pas sur Windows 7 et du coup je suis obligé de faire des manips pour faire tourner le jeu tout simplement. Et en faisant cette manip, eh bien, je peux tout simplement pas enregistrer mes gameplays sans Windows 7. C'est un peu la merde en fait. Je vais essayer de voir avec des potes qui sont plus calés que moi en ordi pour que je puisse vous proposer quand même ces gameplays. J'avais pour l'idée de vous faire par exemple Heart of Darkness, qui est le tout premier jeu auquel j'ai joué et auquel je me suis beaucoup attaché. Je sais pas si grand monde connaît ce jeu, c'est franchement un vieux jeu. C'est un. Pas non, c'est pas un des derniers, mais c'est juste. Ce jeu est sorti au moment où les jeux 3D en fait ont commencé à sortir. Mais c'est un jeu en 2D. 2D, 3D en fait, parce qu'il y a y a de très belles cinématiques dans le jeu. Il date de, si je me trompe pas, il date de 98. Et voilà, il est franchement, moi je le trouve génial. D'ailleurs, j'ai recommencé là, j'y ai joué. Ça m'a franchement fait plaisir d'y rejouer. J'avais sinon pour optique de vous faire des gameplays de rôle, enfin un truc un peu fun, par exemple avec Rayman Origins ou Legends. Ça pourrait être sympa. Donc, dites-moi tout simplement ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Pour combler le vide, on va dire, de mes HDP verts par rapport à GTA et Call of. Pour ce moment, donc, donnez-moi vraiment toutes vos idées par rapport à ce que je pourrais faire sur la chaîne, juste pour ce petit moment de blanc qu'il va y avoir. Ça me ferait franchement super plaisir et ça m'aiderait beaucoup parce que je suis dans la galère. Donc j'espère que je ne perdrai pas trop de monde avec ce petit problème que j'ai eu parce que je me suis quand même bien fait chier à vous faire des vidéos à peu près tous les jours et y mettre franchement du mien pour bien vous faire les vidéos.
pour justement que vous soyez content de la qualité de ce que je pourrais produire. Et donc voilà, moi je vais vous laisser sur ça, donc je vous invite à venir dans les commentaires et me parler tout ce que vous aimeriez que je fasse. Donc je vous laisse. Allez, ciao tout le monde!